What's going on, guys? Et on est parti pour le plan 5 de l'excavation de la base. Donc ça va faire deux fois que je la lance. La première fois, je me suis fait déco et j'ai perdu beaucoup de choses. Donc on va lancer le plan 5. Donc la différence en fait avec la nouvelle mise à jour, c'est qu'on a le plan 5 et on peut voir qu'on va pouvoir récupérer du violet en plus, ce qui est toujours pas mal. Et bien sûr, c'est beaucoup plus difficile. On y va. J'ai à peu près 15 000 de défense sur tous les côtés. On peut voir, genre, 15 000. Ouais, 15 000 partout à peu près. Donc, on ne devrait pas vraiment avoir trop de problèmes pour défendre. En tout cas, la première vague, non. Les vagues se passent en 4 fois, 7 fois. Avec tout ce 24 heures de distance l'une de l'autre. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer? On va pouvoir récupérer le plan, enfin le niveau 3 de la base apparemment. Donc voilà, donc on va faire ça. Donc ce que je vais faire, je vais enregistrer chaque vague et après monter une petite vidéo sur ça. Il y a des tourelles automatiques en fait tout autour et il y a plus ou moins deux murs. Bon, après j'ai pas assez de place pour faire un mur complet pour le deuxième mur, mais voilà. Gatling, mitraillette automatique, enfin mitrailleuse même. Donc on va voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. 5 minutes. 6 minutes, ça, c'est pas trop. Donc comme d'habitude, on a du leurre à choc et grenade surtout qu'on va utiliser. Là-bas. Oula! Donc c'est plus que d'habitude. Ah, j'ai plus de grenades. Non, j'ai plus de fusil à pompe. C'est bien. Ça commence bien. Je suis très préparé apparemment. Par contre, ça c'est vraiment un problème de pas avoir de. De pas avoir de cartouches. Ok, très bien. Quand on aura un petit temps mort, on va essayer d'en créer. Charge. Ok, très bien. Et il me faudrait des... Tiens, du 9 mm, on peut les... 9 mm de glace. Ok, on va faire ça. On va pas rester trop longtemps. On va juste faire une dose. Voilà, allez. Alors, un truc que je pourrais changer parce que je viens juste de le créer. Merde, ça... déjà ça arrive. Voilà. Je viens juste de le créer, c'est la pochette pour les grenades en plus. Voilà, maintenant je peux emporter 12, ça c'est cool ça. Au lieu de 10. Okay,
Ah bah quand on a grenade, quand on en a autant que moi, ça va vite. C'est sûr que là, ça rend les choses légèrement plus faciles. Ok, très bien. On est bon. Mais très bon même. Hop. Une 40, je suspecte qu'il va pas voir de choses en plus. Enfin peut-être encore une petite vague, mais c'est tout. Sûrement un mortier en plus, parce qu'on en a eu qu'un seul. Donc à ce niveau-là, je suspecte qu'il y en ait quand même un peu plus. Il y a les miradors, mais je les utilise jamais, quoi. Je suis jamais allé dessus, genre... ça sert à rien vraiment. Ça sert vraiment pas à grand chose. Il paraît que le niveau 3, enfin on verra quand je vais le débloquer. Il paraît qu'on va pouvoir avancer notre base encore un peu plus. Mais franchement je vois pas trop. Faudrait repousser encore les murs, que la base soit un peu plus développée. Mais bon, enfin moi j'en ai pas vraiment besoin. À la limite faire des murs plus éloignés, enfin plus loin quoi. Genre là par exemple. Oh. Voilà. Bon, eux, on n'a pas besoin de les faire, ça va. Est-ce que je peux... non. Elle va péter avant, je crois. Et voilà. Ça va. Première vague. Sympa. Alors nous sommes à notre deuxième vague. Pour vous montrer un peu. Alors nous avons trois côtés à 15 000. Enfin le plus gros 15 000 c'est l'avant. Et après on a 5 et 4. Le problème c'est que le côté le... avant de ma base est moins protégé. Enfin, moins protégé. Il y a quoi? Il y a que quelques barrières en moins, en fait, c'est tout. Voilà. C'est tout. C'est seulement ça. Donc, ça va, on devrait pouvoir gérer aussi. Ça va pas vraiment être trop un problème. On a des Gatlings. On a des Gatlings. Des Gatlings, ça sauve la vie. On a toujours le même équipement, j'ai pas besoin de le remontrer. Alors, ce qu'on va utiliser surtout, c'est des grenades et du C4. Ça va, à l'arrière de la base, il n'y a que ça en fait, que ce trou là. Il y a toujours des blindés par contre, c'est relou. Je suis en train de me dire si on les laisse pas se faire défoncer par les tourelles. Allez.
Oh mon dieu. Je voulais aller récupérer des grenades, mais on n'a pas le temps. Ça arrive où là? Ah, ils sont déjà là. Allez, on recharge pas en cours. Un truc qu'on pourrait faire aussi, qui serait un peu cheaté, on va dire super malin. Perso, je veux pas le faire, mais ça serait mettre des postes de des établis en fait, aux quatre extrémités de la base, pour pouvoir faire des allers-retours très très vite entre l'extérieur et l'intérieur de la base. Pour se recharger en fait en grenades, en explosifs, tout ça quoi. On pourrait faire ça à la limite, ça serait... Ouais, franchement ça serait le plus simple je crois pour faire une défense de base. Et du coup vous auriez besoin de rien, vous auriez même pas besoin de défense parce que bon vous pouvez aller... Vous faites par exemple si vous avez une grosse réserve de grenades et de C4 et de trucs comme ça, bah voilà quoi. En gros... Ah oui, ils ont rajouté un truc... Ah, ça va, on peut les tuer encore. Par contre, tracker là. Ça va, il se fait défonce. Ok, par contre, lui, non. J'ai pas de défense dans la base, c'est ça le truc. C'est donc les trackers en fait qui passent, bah ils passent. Ouais, j'allais dire qu'ils ont rajouté un truc, un fait que maintenant les monstres sont protégés quand ils apparaissent. Peuvent pas, ils vont pas directement être vulnérables, donc on va pas pouvoir les tuer en fait quand ils sont encore dans le trou de verre. Oh la vache. Okay, faut se faire les gros. Oh putain. Merde. Il reste 30 secondes. Ah ça va. Très bien. Des fois, il y en a qui sont invisibles. Alors, je sais pas s'ils passent par le... En fait, c'est... Voilà. Quand ils apparaissent au bout d'un moment. Je crois qu'il y a une sorte de petit bug comme ça. Quand, en fait, il y en a trop. Là, les tourelles fonctionnent bien. Bon, je vais aller réparer mes défenses. Mais ça s'est bien passé. À la suivante.
Et on est parti pour la troisième vague. On va voir un peu ce que ça nous donne. En fait, j'allais dire, j'ai utilisé des balles. J'ai créé des balles de feu, mais en fait, non, c'est ce que j'avais en réserve. Donc, on va utiliser ça un peu. On a vu que la dernière fois, c'était un peu plus chaud. Donc, cette fois, on va utiliser un peu des leurres pour pouvoir les récupérer, les monstres. Là, on a du 9000, 4000. Le 9000, c'est le plus gros. Après, on a du 4, 7 et 4. Là, par contre, c'est des 4 côtés. Donc, ça va être un peu chaud. Comme j'ai dit, on va utiliser les leurres pour gagner du temps. On a du leurre à choc. À la limite, j'aurais dû prendre les deuxièmes leurres. On pourrait peut-être les récupérer vite fait. Je sais pas si je pourrais le raquer. Ok. Juste au cas où. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ok, on a du connard sniper. Un peu chier. Pêche. Merci. Allez, on va recharger. Bon, ça va, la vague, il y avait surtout des mortiers. Je pense que c'est fait exprès. En gros, c'est pour un peu tester ce que vous avez comme équipement, je pense. Par contre, j'ai pas de leurre en réserve. Il faut, parce qu'on n'a pas le temps vraiment de crafter, il faut crafter des réserves. Oh la vache, tout ce qui tombe. Pleut des monstres. Trop près ça là. Il y a encore du gros rouge. On a de l'explosion. Ils sont où ces cons? Ok, j'espère que j'ai touché l'autre. Ça va. Une tourelle qui a tiré dessus, c'est bizarre. Fou. Ah, c'est que des errants normaux. Vous avez pas de défense avec les grenades, on leur a fait péter les résistances aux jambes, c'est pour ça que je tire dessus. Ok, plus
plus que 2 minutes. On va rester au centre, juste au cas où. Les leurres à choc, c'est pas mal parce que ça va les électrocuter, donc à l'explosion du leurre, ça les électrocute, donc ils vont être stunnés. Mais en fait, le courant va rester dans leur corps, donc ils vont être électrocutés de temps en temps, pendant qu'ils marchent. Donc ça va. Bon, ça va, on a fait la vague assez vite, je pense qu'il va sûrement pas plus vraiment avoir grand chose. Ça. Des bombes. Ça va, ils sont pas trop putes avec les apparitions. Genre elles arrivent souvent d'un côté ou du côté à côté. Genre le côté adjacent. Ça aurait pu être nettement pire. Là, il y a le con. Mais ça va. C'est pas grave. Allez, vite. Ouf. Je vais faire des leurres supplémentaires. Comme ça, on va pouvoir un peu les balancer partout, en récupérer, balancer, récupérer, etc. Et nous sommes à notre dernière vague. La quatrième. Donc... Ah, on a entendu un snake en plastique explosé, donc on va regarder, on a du 6, on a du 900, je sais pas pourquoi d'un côté on a du 900, mais par contre on a du 12 000 d'un côté, donc ce côté là, il va falloir bien, je l'ai pas réparé, ah, très bien, il y a ça que, ouais, on peut pas vraiment réparer, parce qu'il me faut la bouffe qui est pas encore prête, c'est pas grave. Ça devrait... Enfin, j'espère. J'espère que ça va résister. C'est quoi qui est endommagé? Ouais. On verra. Fou. Peut-être faire ça un peu. Juste au cas où. Ah, c'est juste devant en plus. Je l'ai bien balancé. Très bien. Cool. Ce qui est bien avec ces trucs, c'est qu'on peut les balancer, mais alors super loin à chaque fois. Voilà. Plus j'en ai mis de côté exprès. J'en ai créé en supplément.
Ça vient d'où là? Je sais pas s'il y a une limite à ce qu'on peut balancer, je crois. Normalement, oui, mais si c'est comme The Phantom Pain. Par contre, j'ai plus trop de balles de feu. Devoir utiliser autre chose. Encore 3 minutes. Ça va, ça devrait pas. Ça devrait pas poser de problème. Enfin, j'espère. On n'a pas eu de mortier encore. Je soupçonne avoir une ribambelle de mortier, genre sur les quatre côtés. Oh putain. Je devrais fermer ma gueule. Oh non, c'est du tracker. Ok, je sais pas si c'est le pire. On a des snakes un peu à droite à gauche. On a des snakes un peu à droite à gauche, mais il y en a qui passent, hein, qui s'en foutent. Hein. Cool. J'ai mis quelques snakes à l'intérieur. Oh putain. Ok, cool. Voilà. Vous voyez que ça marche bien les snakes. Je vois quelque chose là-bas, j'aime pas. J'aime pas. Que le mortier là-bas qui est chiant, mais ça va. C'est pas énormément de dégâts. Bon ben voilà. Fouf. On va voir s'il y a un plan 6, mais je suis pas sûr de le relancer directement. D'abord, il faut que je fasse des petites réserves d'équipement et tout. Et on va voir ce qu'on a récolté maintenant. On va voir si on a des nouvelles choses. Pour l'instant, non. Oh! Grande barricade hérisson. Grande barricade barbe. Oui, on a des nouvelles choses.
Alors. Alors on a du manuel, on a 4 manuels, ça va, ça change pas. Et on a recette grande barricade hérisson et grande barricade de barbelé, c'est du violet. Et après le reste, bon, on a beaucoup de cubanes. On a beaucoup de cubanes, ça va. Le vivant de votre développement de votre base a été augmenté. Vous pouvez modifier un secteur plus vaste. Déjà, on va réparer. Bon, ça, je peux toujours pas. Yeah! On a le niveau 3. Sauf que on reste à 99. C'est pas. C'est pas très intéressant. En fait, il faut. Oh putain, mais je vais passer des heures et des heures à faire ça. Genre à mettre des défenses comme ça, à les enlever une par une et à les bouger plus loin. Mais bon, ouais, le mieux ce serait de les bouger plus loin. Ouais, ce serait plus utile. Enfin, ça me laisserait plus de temps pour contrer. Donc les pourcentages n'ont pas augmenté. Eh ben merde alors. En tout cas, nous avons des meilleures clôtures. Nous avons grande barricade. Alors, fais voir, ça ressemble à quoi en fait? Donc, avant on a des barricades d'hérissons comme ça. Là, on a celle-là maintenant. Là, c'est 1100 de durabilité, 1760 celle-là. Par contre, les durabilités ont été changées, je crois. De barrière, ouais, 1700, ouais, elles ont été augmentées. Alors après, je sais pas si c'est parce que j'ai une habilité sur moi, mais elles ont été augmentées. Ouais, ça aussi, ça a été augmenté. Donc là, c'est un truc qu'on peut mettre sur le côté d'un carré, et là, c'est quelque chose qu'on peut mettre directement comme ça. Ouais, bof. Ça a pas l'air. Je sais pas, enfin, ça m'a pas l'air vraiment très très cool quoi, enfin, très très. Merde, pardon, c'est pas là. Voilà. Non, c'est la durabilité, elle est augmentée pour la base en fait. Non, j'ai rien dit. Ça n'a pas été augmenté sinon. Alors, ouais, c'est en fait c'est la défense. Plus vous avez une bonne équipe de défense, par exemple moi, elle est assez. Et plus les objets vont avoir de la durabilité, c'est ça le truc. Ouais, enfin, ouais. C'est plus gros, quoi. 1000, 1600. En gros, on a plus de défense à 1600, quoi. Avant, on avait ces barricades normales, donc ils peuvent les passer, mais c'est très résistant. Moi, c'est ce que j'utilise, j'aime bien. Et maintenant, on a les grandes barricades de barbelés. Ils peuvent. Je sais pas s'ils peuvent les passer, celles-là par contre. Mais en tout cas, ouais, c'est des barbelés, c'est pas mal. Bon. Bon, ben voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Voilà. À la prochaine. Ciao.